clamons très fort pour le Seigneur. Non, acclame encore pour le Seigneur, le roi des rois. Le Seigneur des Seigneurs. L'auteur de la vie. Il s'appelle Jésus. Le lion de la tribu de Juda. Amen. La Bible l'appelle flambeau du ciel. Amen, Amen c'est lui. Amen. Le créateur, c'est lui. Amen. Elohim, c'est lui. Amen. Si tu existes, parce qu'il y a un Dieu qui t'a créé. Amen. Veuillez vous rasseoir, que le Seigneur vous bénisse. Merci. Nous sommes très heureux ce matin, cet après-midi, d'être parmi vous. Et vous partagez la parole de Dieu. Laisse-moi vous dire, nous sommes le résultat ou le fruit de la parole. La Bible dit, Dieu a dit. Après avoir dit, les choses ont existé. Tu existes parce que la parole t'a créé. Il faut respecter, honorer cette parole qui t'a créé. Vous êtes là? Amen. Oh, est-ce que vous êtes là? Amen. Je dis merci au pasteur Yves pour la considération et l'invitation qu'il nous a donné d'être là. Nous disons merci au Saint-Esprit, le représentant légal de Jésus sur la terre, parce qu'il est là avec nous. Nous disons merci au Seigneur pour ce jour merveilleux. Je dirai encore merci à toi parce que ta présence est tellement importante pour nous. Amen. Si tu n'étais pas là, on n'allait pas prêcher. Je remercie aussi ceux qui m'ont accompagné, le pasteur Samy qui est avec nous. Est-ce que vous pouvez vous mettre? Merci. Que le Seigneur le bénisse. Je suis aussi accompagné du pasteur Olivier et le frère Serge. Que le Seigneur le bénisse. Oui, pasteur Yves aime toujours qu'on se présente souvent. Je suis Docteur Alain Guev, je suis marié et je suis père de 3 enfants. Voilà. Lisons la parole de Dieu. Ce qui est important, c'est la parole du Seigneur. Psaume chapitre 23, verset 5. Ma coupe déborde. Dis à quelqu'un, ma coupe déborde. Ma coupe déborde. Oh. Dis encore, ma coupe déborde. Ma coupe déborde. Il n'y a pas assez de joie. J'aime prêcher là où il y a la joie. Dis encore, ma coupe déborde. Ma coupe déborde. Il n'y a pas encore la joie là. Quand il y a la joie, Zachée doit toujours monter sur un arbre. Parce que la joie est au milieu d'eux. La joie, c'est Jésus. Amen. Psaume chapitre 23. Nous commençons au verset 1. L'Éternel est mon berger. Je ne manquerai de rien. Pose-toi la question, est-ce que le Seigneur est ton berger? C'est encore une question. Je ne manquerai de rien, n'est que la provision de celui dont le Seigneur est son berger. Il me fait reposer dans le vert pâturage. Tu t'es reposé où? Qui t'a reposé? Est-ce le Seigneur ou toi-même? Il me mène à des eaux paisibles. Waouh! Il y a toujours un espace entre l'homme et les eaux paisibles de sa vie. Il y a toujours une distance entre toi et les eaux paisibles. Mais il y a seulement une seule personne qui connaît le chemin des eaux paisibles. Amen. S'il ne te conduit pas, tu peux passer à côté des eaux paisibles. Il y a des gens qui sont à l'église mais n'ont pas encore trouvé les eaux paisibles. Parce que le conducteur vers les eaux paisibles, c'est le Seigneur. Amen. Vous êtes là? Amen. Il restaure mon âme. Il me conduit dans le sentier de justice. À cause de son nom. Ce n'est pas à cause de tes efforts, ni de ce que tu es, mais à cause de son nom. Même quand je marcherai dans la vallée de l'ombre et de la mort, waouh! Vallée de l'ombre et de la mort viendra. Mais ce qui est important, je ne crains aucun mal. Amen. Car tu es avec moi. Même dans la vallée, il est toujours avec toi. Amen. Ta houlette et ton bâton, ce sont eux qui me consolent. Il faut aimer le bâton, discipline dans la vie. Il faut aimer la discipline. Des fois, des gens se comportent comme une veuve parce qu'ils n'aiment pas la discipline. La houlette, c'est pour te récupérer.
avant que je parle ce que je vais prêcher. Même quand je marche par la vallée de l'ombre, ton adresse n'est pas la vallée de l'ombre. Ce n'est qu'un endroit de passer. Amen. Est-ce que je suis là? Amen. Vous savez, tout le monde peut souffrir, mais la souffrance des chrétiens, on appelle ça épreuve. Amen. Chaque souffrance a un nom. Mais quand moi je souffre, on appelle ça épreuve. Pour les autres, ce n'est pas une épreuve. Ça peut être un jugement, ça peut être un châtiment. Mais pour moi, c'est l'épreuve. Et quand c'est l'épreuve, cela veut dire je sortirai. Je sortirai. Donc, vallée de l'ombre de la mort n'est que le passage. Ce n'est pas mon adresse. Je ne suis pas appelé à vivre et à demeurer là-dessus pour toujours. Verset 5, là où nous allons prêcher, tu dresses devant moi une table en présence de mes ennemis. La présence de mes ennemis n'empêchera pas Dieu d'accomplir sa promesse. Amen. La présence de mes ennemis n'empêchera pas Dieu d'accomplir sa vision sur moi. Amen. La présence de mes ennemis n'écartera pas Dieu de ma vie. Ils seront là, mais Dieu va toujours dresser une table. Amen. Il ne faut pas avoir peur des ennemis. Ils seront toujours là. Mais leur présence, c'est bien. Ça prouve que Dieu est avec toi. Amen. Mais ça ne pêchera jamais que tu puisses atteindre ta destinée. Tu arriveras. Amen. Malgré la présence des ennemis. Amen. Qu'ils soient milliers, millions. N'ayez pas peur. Amen. Amen. Ah, est-ce que je parle Amen. À quelqu'un ici? Oh, c'est comme une messe de 5 heures comme moi. Va loin la messe à 5 heures. Il y a 6 heures. Tu ondules ma tête. Ma coupe déborde. Ah, ici dans ma version, dit ma coupe est comblée. Ma coupe déborde. C'est ça là où nous allons prêcher. Ma coupe déborde. Oui, la bonté et la gratitude me suivront tout le jour de ma vie. Et mon habitation sera dans la maison de l'Éternel pour le long jour. Il dit, j'habiterai dans la maison de l'Éternel jusqu'à la fin de mes jours. Les autres recherchent l'adresse, mais lui, il a déjà son adresse. Amen, amen, amen. Yes. Si Israël va se combattre pour Canaan, mais lui, il a déjà son Canaan. Je ne combats pas pour avoir une adresse, mais mon adresse est déjà la maison de l'Éternel. Amen. La présence de Dieu. Amen. J'habite déjà dans la présence de Dieu. Même quand je me touche, je suis dans la présence. Amen. Parce que j'ai déjà trouvé l'adresse. Vous êtes là? Amen. Gloire au Seigneur. David commence ce psaume par reconnaître l'Éternel comme son berger. Ça, c'est très important. Un berger, c'est un leader. Qui est ton leader? Qui te dirige? Tu es sous contrôle de qui? Sous autorité de qui? Sous leadership de qui? David est un roi, mais il reconnaît qu'il y a une autorité sur lui. Sont là, mais ne veut pas être sous. Je suis papa, je suis maman, c'est bien. Mais qui te dit qui est sous qui? Mais comme ça. Il y a toujours l'espace au-dessus de toi pour te dire, il y a toujours quelqu'un qui te domine. Amen. Peu importe ce que tu es, il y a toujours un Dieu au-dessus. Je vais aller chercher ma vie. Tout le monde veut l'indépendance. Tout le monde veut être libre. Personne ne veut être contrôlé. Mais David dit, l'Éternel est mon berger. Il reconnaît l'autorité de Dieu sur sa vie. Amen. Tu es sous l'autorité de qui? Être papa à la maison n'est pas dire faire ce que tu veux. Être maman ne veut pas dire fais ce que tu veux. Il faut reconnaître l'autorité du berger. Amen. Pour aller loin. Aujourd'hui, ce sera comme ça va piquer un peu. Et le berger prend toujours soin de ses brebis. Si tu reconnais son autorité, il va prendre soin de toi. David confirme que la présence de ses adversaires n'empêche pas Dieu de le bénir, ni de pourvoir à ses besoins, ni d'accomplir ce que Dieu a promis.
les ennemis n'empêcheront pas ce que Dieu a promis pour toi. Amen. Et ce psaume, David veut nous dire le désir du berger pour ses brebis. Le berger a un désir profond pour ses brebis. Voilà pourquoi il faut être attentif à ses bergers. Et le berger est toujours attentif aux soins de ses brebis. Si tu reconnaîtras sous la bergerie du Seigneur, il prendra soin de toi. Amen. Ma coupe déborde. C'est un peu rapide à cause du temps. Nous avons plusieurs coupes dans la Bible. Nous avons la coupe humaine. Je vais caractériser quelques coupes. La coupe des hommes, pour boire. Dans la Bible, Pharaon la découpe pour boire, pour se servir. Nous avons la coupe du jugement. Si vous lisez Apocalypse, on parle de coupe. C'est l'expression du jugement. Coupe aussi peut symboliser un jugement. Quand Jésus parle, il y avait une maman qui dit à Jésus, mon fils sera à gauche et l'autre, tu peux le mettre à droite, ton royaume. Jésus dit, est-ce que tes enfants seront prêts à boire la coupe que je vais boire? Les hommes aiment la position, mais ils ne savent pas que pour arriver, il faut d'abord payer un prix. Amen. Jésus veut dire à cette maman, oui, à gauche et à droite, ce n'est pas un problème, mais il y a un prix à payer. Il y a une coupe à boire. La coupe du jugement existe. Il y a aussi la coupe des pharisiens. On n'a pas assez de temps pour lire. Symbolise la religion. Symbolise l'hypocrisie. Il y a aussi la coupe de Salomon qui était l'image de luxure. Nous avons aussi la coupe de David qui symbolise la vie dans toutes ses dimensions. C'est ça que je veux parler. La vie dans toutes ses dimensions. Pour David, la coupe, c'est aussi l'expression de son cœur. La coupe, c'était aussi l'expression de son économie. La coupe était aussi l'expression de l'amour, de la joie, du miracle, de la louange, de l'adoration, de la grâce, de la consolation, de la prière dans sa vie. Donc David, dans toutes les dimensions de sa vie, parle « ma coupe déborde ». Donc coupe, c'est l'expression de sa vie. Vous êtes là? Amen. Mais quand nous examinons très bien la coupe, il y a deux ou trois choses qui font la valeur d'une coupe. La matière qu'on a fabriquée, la coupe. Si c'est en or, ça sera aussi cher. Si c'est en argent ou en bronze, ça peut aussi être... Vous êtes là? Amen. C'est terrible. La matière qu'on a créée. Mais dans le contexte que nous lisons, David nous parle de deux choses importantes. Il dit, tu as oindu ma tête et ma coupe déborde. Donc dans ce texte, David veut nous dire, la coupe de David n'était pas vide, il y avait toujours quelque chose. Il ne peut pas y avoir de débordement s'il n'y a pas quelque chose à l'intérieur. Il faut qu'il y ait quelque chose. Tu as quoi? Pose-toi la question, tu as quoi? Tu as l'église, c'est bien, mais tu as quoi? Il ne peut pas y avoir de débordement s'il n'y a rien. Et deuxième chose, dans ce texte que nous allons analyser pour David, ce qui fait déborder la coupe. Deux choses. Je ne parle pas ici de la matière, mais je parle de ce qui est à l'intérieur. Et la force qui fait déborder. Tu peux avoir, mais la force n'arrive pas à faire déborder cela. Vous êtes là? Amen. La Bible dit, Joseph, la prospérité l'accompagnait. Waouh, chômeur, pas de marchandises, mais des prospères. Pour dire que la prospérité en soi, ce n'est pas l'argent. C'est une force, une capacité surnaturelle. Amen. Voilà pourquoi si cette capacité est avec toi, tout ce que tu toucheras va réussir. Si l'entreprise de Potiphar va réussir, parce que Joseph avait cette capacité. Vous êtes là? Amen. C'est cette force-là qui fait déborder les choses. Si tu n'as pas ça, les choses ne seront pas débordées. Ta coupe ne sera pas débordée. Voilà ce que nous allons un peu parler de ça. Vous êtes là? Amen. Et ce texte, David conjugue le verbe au présent. Tu as oint d'huile ma tête et ma coupe. Il parle au présent. Ce n'est pas au passé. Il ne faut pas seulement parler de Dieu du passé. Il ne faut pas seulement parler de Dieu qui va faire. Mais parle aussi d'un Dieu du présent. Amen. Amen. Et David nous montre son expérience personnelle avec Dieu. J'aime les gens qui parlent.
Ma femme prie beaucoup. Et oui, c'est ta femme, c'est son expérience et toi. Ben moi, c'est ma femme, l'ami. Oui, c'est ta femme et toi. Ça, c'est son expérience. Mon mari prie beaucoup. Oui, c'est ton mari et toi. Donc, chacun de nous doit avoir une expérience personnelle. Amen. Oh, mes enfants prient beaucoup. C'est bien, ce sont tes enfants et toi. Et David nous parle de son expérience personnelle avec Dieu. Tu as loin d'huile, il conjugue au présent son vécu avec son Dieu. Et il dit, ma marche avec Dieu a inauguré une saison de débordement. Waouh! David veut nous dire, ma coupe n'est pas vide, ma coupe n'est pas à moitié remplie, mais ma coupe déborde. Amen. Ce n'est pas vide, ce n'est pas à moitié rempli, mais sa coupe déborde. Débordement, c'est quoi? C'est dépasser les limites. Ça, c'est une limite établie. Mais quand ça se déborde, il n'y a plus de limites. Voilà. Donc, si tu veux vaincre les limitations dans ta vie, il faut aller au débordement. Il y a des gens qui vivent sous limitation. Mais pour vaincre les limitations, il faut accepter la force qu'on appelle le débordement. Ah, voilà pourquoi le mal que tu as fait, tu es venu écouter cette parole. C'est ça le plus grand mal que tu as fait. Parce que l'esprit que je veux, l'esprit de cette parole va t'accompagner. Amen. Il fallait rester à la maison. Et l'esprit de la prédication va t'accompagner. Amen. Et le débordement va t'accompagner. Amen. Ah, je disais le débordement va t'accompagner. Amen. Je le proclame au nom de Jésus. Amen. Après cette prédication, saison de débordement qui va être inaugurée. Amen. Pour quelqu'un. Amen. Pour celui qui est dans cette salle. Au Amen. Nom de Jésus. Amen. Le débordement, c'est dépasser les limites établies, surpasser les limites établies. Débordement exprime la fin de la limitation. Non à une saison de soustraction. À partir d'aujourd'hui, je déclare plus de saison de soustraction, ni de division, ni de vide, ni de souffrance, mais une saison de débordement va se nourrir. Notre Dieu est un Dieu de débordement. Amen. Il marchera. Aïe, aïe, aïe. Amen. Il va marcher avec quelqu'un avec cette Amen. Force qu'on appelle débordement. Amen. La Bible dit Dieu a tant aimé le monde. Oh, cet amour était un amour de débordement. Amen. Amen. L'amour de Dieu, c'est un amour de. Il a tant aimé, c'est le débordement de l'amour. Amen. Il donne sa vie en abondance, c'est le débordement. Amen. La Pentecôte, c'était le débordement. Ce jour-là, lorsque l'Esprit est venu, c'était le débordement. Amen. L'Esprit sans mesure. Nous vivons et nous prêchons, nous servons, nous suivons, nous écoutons un Dieu de débordement. Amen. Alléluia. Vous êtes là? Amen. Pas un Dieu de vide, ni un Dieu à moitié rempli, mais un Dieu de débordement. Parce Amen. Qu'un Dieu de débordement, c'est un Dieu au-delà des limites établies. Amen. Voilà pourquoi la Bible l'appelle éternel. Éternel, Amen. C'est quelqu'un qui n'a pas de limites. Yes. Ni... Wow. Amen. Voilà. Amen. Dis à quelqu'un le débordement. Le débordement. Oh, aide-moi. Amen. Dis à 3-4 personnes, j'inaugure la saison de débordement. Si tu crois ces choses, que ce soit oui, amen dans ta vie. Amen. Aide-moi, dis à 3-4 personnes, j'inaugure à partir d'aujourd'hui une saison de débordement. Ah, pasteur. Pasteur, j'aimerais que tu... Pour cette église, j'inaugure une saison de... Débordement. Une saison de... Débordement. Ouais. Si tu crois à cela, que c'est l'esprit de cette chose t'accompagne. Vous savez, dans la vie, il faut pas seulement se contenter de suffisance, mais il faut aller au-delà de suffisance. Amen. Oh, ça suffit. Non. Il faut aller au débordement. Adorer dans le débordement des choses. Amour avec débordement. Financièrement, vie dans le débordement. Prie dans le débordement des choses. Si le débordement ennuie les autres, mais pour nous, ça n'ennuie pas. C'est une promesse de Dieu. Oh. Amen. Alléluia. Vous êtes là?
Amen. La présence, Jésus dit, une présence, j'ai reçu l'Esprit sans mesure. Mm. C'est l'Esprit sans mesure. C'est l'Esprit dans le débordement. Il faut que nous vivons la présence de Dieu dans le débordement des choses. Que la présence de Dieu déborde en toi. Amen. Que le Saint-Esprit déborde en toi. Amen. Nous vivons les saisons de débordement, même dans le miracle. Il faut vivre le miracle dans le débordement. Amen. Wow. Alléluia. Il amène toujours cela dans notre vie. Amen. Voilà pourquoi Pierre travaille toute la nuit sans rien prendre. Il était habitué que je vais récupérer autant de poissons pour vendre. Mais ce jour-là, il rencontre le maître du débordement, l'auteur du débordement. Il rencontre le Seigneur Jésus, celui qui est le Dieu du débordement. Il dit à Pierre, jette, avance un peu en plein eau, jette ton filet. Et Pierre, même filet, n'a pas changé de filet, hein, n'a pas changé de rivière, n'a pas changé de barque, n'a rien changé, même un filet. Là où il a... My God! Qu'est-ce qu'il y a de gens dans cette salle? Amen. Toute la nuit sans rien prendre. Il se lève un bon matin, il rencontre le Seigneur du débordement. Amen. Il dit, Seigneur lui dit, prête-moi ta barque. Amen. Dis oui, tu peux prendre, mais ça va. Il était fatigué. Vous savez, quand il y a un vide, on est toujours fatigué. Quand on est dans les soustractions, on est fatigué. Quand nous travaillons sans reprendre quelque chose, on est toujours fatigué. Mais quand on est dans le débordement, il n'y a pas de fatigue. Amen. Alléluia. Il se lève le matin, le Seigneur dit, il travaille après que le Seigneur, après avoir prêché, il dit à Pierre, avance en plein eau et jette. Pierre donne les arguments. Il dit, Seigneur, on n'a pas changé de rivière. Toute la nuit, je connais cette rivière. Et d'ailleurs, ça fait déjà le matin. C'est difficile. Le Seigneur dit, jette. Amen. Et lorsqu'il a jeté le filet, moi, c'est que il fallait que le Seigneur dise à Pierre 3-4 fois. Mais c'était, il n'a pas jeté 2-3-4 fois. Une seule fois. Amen. Là où il avait échoué, là où il n'a rien pris, il jette le filet. Amen. Il rencontre, il reçoit ce qu'il n'a jamais reçu. Amen. My God. Alléluia, quand il alléluia. Jette le filet, c'est le débordement qui vient. Et quand le débordement vient, première attitude de Pierre, il faut partager avec les autres. Amen. Appelle ceux qui sont là. Amen. Vous savez pourquoi vous ne partagez pas? Parce que vous manquez beaucoup. C'est difficile de donner 100 euros, 50 euros, 100 francs. Parce que tu ne vis pas le déporter. Tu as trop de calculs. Est-ce que vous êtes là? Pierre dit aux voisins, venez. Ça ne suffit pas. C'est, pour moi, ça ne suffit. Non, c'est trop. Il faut que nous puissions partager. Parce que le débordement est venu. Cette femme avait des dettes. Son mari est mort. A laissé un héritage de dettes. Il ne faut pas laisser l'héritage de conflits. Il ne faut pas laisser l'héritage de dettes. Je répète. À des fois, quand nous grandissons, on est des petits-enfants, on peut avoir des conflits, va se régler facilement. Mais quand vous grandissez, vous êtes déjà papa vieux. Si vous créez des conflits, vous risquez de laisser un héritage de conflit. Amen. Pose-toi la question, quel héritage tu es en train de laisser aux autres? Un mauvais comportement, mauvais caractère. Tu laisses que un héritage de ce qui est mauvais. Il laisse un héritage de dettes. Vous vous laissez quel héritage? Écoutez, la force d'aujourd'hui n'est pas la force de demain. Il ne faut pas gaspiller la force pour rien. Si Dieu vous a donné la force, profitez de laisser un héritage. Où est-ce qu'il y a des gens dans cette salle? Amen. Vous êtes là? Amen. Et la Bible dit, il passe, la femme part chez le prophète. Le prophète dit, tu as quoi? Waouh, j'aime ce Dieu. Le peu ne reste pas toujours peu. Amen. J'ai peu d'huile. Elle dit, oui, tu as peu d'huile. C'est peu. Mais elle cherche de vases, des coupes des autres. Tu as l'onction, mais tu as besoin des autres. Amen. Tu as la grâce, tu as besoin des vases des autres. Amen.
crée des bonnes relations. Amen. Crée des bonnes relations. Amen. Je répète, crée des bonnes relations. Amen. La femme avait de l'huile, mais n'avait pas de vase. Amen. Tu as quelque chose, mais tu as aussi besoin des autres. Amen. Il prend des vases en débordement. Il met d'huile jusqu'à ce que tout était débordé. Vous êtes là? Amen. Ça, c'est très important. Le débordement, c'est le dépassement, surpasser les limites établies. Il ne faut pas aimer vivre dans les limitations. Quand quelqu'un dans les limites n'est pas dans le débordement, le débordement brise ce qu'on appelle les limitations des choses. Voilà pourquoi Dieu est un Dieu de débordement. Et le Dieu que je vous prêche, il dit quand le péché abonde, la grâce surabonde. Amen. Il parle du débordement de la grâce. Dans la Bible, Dieu nous parle du débordement. Le débordement, c'est pour répondre à tes besoins et aux besoins de ceux qui t'entourent. Le débordement, c'est très important parce que c'est une provision pour accomplir ta vision. Amen. Si tu n'as pas, si tu nages pas dans le débordement, tu auras des difficultés d'accomplir ta vision. Mais le provocateur du débordement, c'est qui? David dit, tu as oint d'huile ma tête et ma coupe. Donc le débordement n'est que la conséquence de l'huile sur sa tête. Wow. L'agent du débordement s'appelle l'huile. Le provocateur du débordement s'appelle l'huile. Si l'huile ne vient pas, le débordement ne viendra pas. Si l'huile n'est pas sur ta tête, le débordement ne vient pas. Je vais parler à deux dimensions avant que je puisse manger plus loin. Première dimension, l'huile sur la tête. La tête, c'est l'expression d'un leader. La tête, c'est l'expression de l'autorité. Pasteur, l'église souffre de manque de leaders moins. Nous avons trop de leaders charnels. Ils provoquent des problèmes dans les églises. On a marre de leaders charnels. Nous autres. Samolim. Amen. Il calcule des choses par rapport à sa chair. Il fait des problèmes par rapport à sa pensée, sans consulter Dieu. Voilà, les églises souffrent. Les gens sont malades, restent malades parce que nos leaders sont des leaders charnels. Il faut qu'il y ait un leader dont la tête est trempée dans l'huile. Amen. 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 Alléluia. Je vais continuer. Amen. Lorsque le Seigneur oint David, c'est pour être un leader. Donc il le oint pour être un leader. Il veut dire à David, tu es oint pour diriger, non selon toi, mais selon lui. Amen. Lorsque le Seigneur oint Saoul, il le met lui pour diriger. Non diriger selon tes pensées charnelles, mais selon l'huile que tu as reçue. Amen. Il nous faut des leaderships spirituels non charnels pour changer les choses. Amen. Laisse-moi dire, si le leadership n'est pas immergé dans l'huile, la sagesse de Dieu ne viendra pas. L'intelligence de Dieu ne viendra pas. Le changement ne viendra pas. La réflexion profonde des choses ne viendront pas. La sagesse, les décisions de Dieu ne seront pas dans l'église. Amen. Voilà pourquoi tant de choses dans nos églises ne marchent pas. Parce que ceux qui nous dirigent ne sont pas au moins. Amen. Il dit que l'huile ne manque pas sur ta tête. Oui, si l'huile est constamment sur ta tête, tu ne vas pas faire les choses selon toi, mais selon l'huile. Amen. C'est la vertu, c'est un des leaders ouins. Des leaders ouins font progresser les choses. Amen. Les leaders charnels qui ne sont pas ouins, ils forcent les choses. Amen. Ils contraignent les gens. Il y a qu'une caca. Vous êtes là? Amen. Les leaders ouins font progresser les choses. Et les leaders ouins, ils facilitent le travail. Un leader qui n'est pas ouin, il complique ce qui est d'abord dur. Moussa, là, on ne nous a pas passé. Nous autres, nous avons surpassé. C'est la vérité, papa. Vous êtes là? Amen. Jésus était ouin, il faisait du bien partout. Si tu es ouin, c'est pour le faire du bien. Amen. Les mauvais leaders, sans être ouin, les leaders charnels, ils sont toujours des têtes qui vont toujours détruire plus tard. Jésus dit ceci dans un verset.
Il dit, je vois ce peuple, Matthieu 9, 36, peuple languissant. Ça, c'est beau. Ils étaient abattus, fatigués. Mais il dit, n'ont pas un berger. Lisons ça, Matthieu 9, 36. Matthieu 9, 36. Vous êtes là? Amen. Dis avec moi, le leader Rouen. Tu aussi, tu es leader dans ta maison. Amen. Leader, ce n'est pas seulement l'église, toi aussi. Dans ta maison, tu es leader. Amen. 36. En voyant les foules, il fut ému de compassion pour elles, parce qu'ils étaient là et dispersés comme des brebis qui n'ont pas de berger. Oh, qui n'ont pas de berger. Donc, pour Jésus, l'état de brebis montre que ce peuple a besoin d'un leader. Amen. Donc pour Jésus, la solution à ces brebis qui étaient fatigués, dit ce berger, c'est le leader. Est-ce qu'il n'y avait pas de leader à cette époque-là? Est-ce qu'il n'y avait pas? Des sadducéens étaient là, des pharisiens étaient là, des religieux étaient là. Mais pour Jésus, il a compris que tous ces leaders qui sont en train de diriger les peuples ne sont pas des leaders rouens. C'est que ce peuple a besoin de leaders rouens. Alléluia. Amen. Pour Jésus, le problème, c'est la solution, c'est avoir des leaders rouens qui peuvent donner la solution. Amen. Leader rouen rend meilleure l'œuvre, rend facile l'œuvre. Mais le leader non rouen, il complique, il contraint les gens. Laisse-moi te dire, si tu es un leader rouen, tu seras incontrôlable contre les forces du mal. Amen. Tu vas porter le débordement dans la vie des gens. Élie était rouen lorsqu'il rencontre la veuve de Sarepta. Cette veuve va vivre le débordement. Amen. Alléluia. Amen. Vous savez pourquoi on doit oindre, pourquoi la tête? Avant que je parle autre chose. Pourquoi on doit oindre la tête? Premièrement, j'ai parlé du leadership rouen. Deuxièmement, on mettait l'huile sur la tête des brebis. Pourquoi? Parce que des brebis étaient souvent attaquées par des mouches. Et quand les mouches attaquaient la tête et le nez, ils déposaient les infections. Vous êtes là? Amen. Et quand le brebis est infecté, les prêts grattent partout. Ils peuvent se faire du mal. Ils ne sont plus à l'aise. Maintenant, on doit le mettre de l'huile pour chasser, détruire les infections ou les mouches. Voilà, la tête doit être loin parce que c'est là où il y a de mauvais raisonnements. Amen. C'est là où il y a de mauvaises pensées. Les infections, ce sont les mauvaises pensées qui viennent sur toi. Les douleurs de la tête, tout ça, tout ce qui est négatif en toi, les faux raisonnements, les mauvais désirs, le ressentiment dans la tête doit être loin. C'est là où il y a la réflexion. Un homme loin, dont la tête est loin, sa façon de réfléchir change. Sa façon de penser change. Ses décisions changent. Sa compréhension change. Son intelligence change. Sa perception des choses change. Il ne va plus marcher selon ses pensées, mais selon les pensées de l'esprit. Regarde tes pensées. Toujours mauvais. Toujours négatif. Il faut que cette pensée soit bonne. Il faut l'huile. Amen. Amen. Oh, donnez-moi un amen encore. Amen. Oh, alléluia. Amen. Voilà. Dans le monde, vous savez, pour que quelque chose déborde en toi, dans le monde, on doit voir ton revenu. Tu gagnes combien? Mais ici, David nous dit pas, pour vivre le débordement, il ne voit pas le revenu. Il fait recours à l'huile. C'est contraire aux hommes. Il faut te poser la question, tu gagnes combien? Pour que tu aies beaucoup d'épargne. Mais pour David, il dit, pour que ma coupe déborde, il y a un agent, il y a un auteur, il y a une force qui appelle le débordement, il s'appelle l'huile. Laisse-moi te dire, débordement n'est pas la conséquence de tes efforts, mais la conséquence de l'huile sur toi. Tu peux travailler dur sans vivre le débordement. Mais si tu travailles avec l'huile, la force surnaturelle de Dieu, le débordement viendra. Amen. David veut nous dire, ce n'est pas mon effort, ce n'est pas mon travail qui m'a procuré le débordement, mais l'huile sur ma tête. Frères et sœurs, c'est bien de travailler dur, mais si tu manques le surnaturel, rien ne changera. Le débordement ne viendra pas.
Voilà pourquoi David nous enseigne dans ce texte, que l'huile sur sa tête a appelé le débordement dans sa vie. La conséquence de l'huile, c'était le débordement. Laisse-moi te dire, l'huile c'est quoi? L'huile c'est l'onction. C'est le surnaturel. Waouh! Vous êtes là? Oh, l'huile c'est le surnaturel. La coupe de ta vie va déborder si l'onction est avec toi. L'huile c'est pour te faire prospérer. Amen. L'huile c'est l'onction. Et écoutez frères et sœurs, chrétien sans onction sort de l'église. Ça ne sert à rien. Parce que l'onction nous qualifie. L'onction nous donne une position. Amen. L'onction fait trembler nos ennemis. Amen. Oh, vous êtes là? Amen. 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 Vous êtes là? Amen. Vous n'êtes pas là. Amen. L'onction nous donne la réussite. Amen. L'onction fait prospérer les choses, fait avancer les choses, fait progresser les choses. Amen. Là où il y a l'onction, la promotion peut venir d'une façon exceptionnelle. Les choses peuvent changer. David dit, si j'ai vécu le débordement, les choses ont changé parce que l'huile est tombée sur moi. Amen. L'onction apporte la transformation et l'onction amène le triomphe dans la vie des gens. Amen. La présence de l'huile dans ta vie, ça va te distinguer. Tu veux être distingué? Cherche l'onction. Tu veux que le monde te respecte? Cherche l'onction. Même si tu es en culotte, on peut te respecter si l'onction est sur toi. La venue de l'onction sur toi va changer ta façon de faire les choses. Ça va changer ton être. Tu veux vivre sur la terre avec le statut de l'enfant de Dieu? Cherche l'onction. L'onction, ce n'est pas seulement pour faire tomber les gens. Vous avez une capacité surnaturelle pour faire marcher les choses. Amen. Dans tous les domaines de ta vie, tu as besoin de l'onction pour faire marcher les choses. Amen. Ça porte le progrès, les promotions, change de situation. L'onction, c'est la clé des transformations, clé du débordement, clé du triomphe dans la vie. La présence de l'onction nous apprendra toujours à ceux qui sont autour de nous de nous respecter. Sa présence fait qu'une personne soit un homme d'exploit. Si l'onction vient sur toi, tu deviendras un homme d'exploit. Tu deviendras un homme aux commandes. Tu veux commander? Cherche l'onction. Une seule parole de ta bouche sera respectée si l'onction est sur toi. Lorsque l'onction vient sur Saoul, il devient un homme aux commandes. Lorsque l'onction vient sur Saoul, son cœur change. Tu as un mauvais cœur. Ce n'est pas tes efforts, ce n'est pas l'éducation qui changera. L'onction. Amen. Oh, vous êtes là. Amen. Lorsque l'onction est venue sur Saoul, la Bible dit, Dieu lui a donné un nouveau cœur. Il avait un cœur de peureux, il ne reçoit un cœur de guerrier. Il avait un cœur animal, il reçoit un cœur de Dieu. Tu as besoin d'un nouveau cœur? Cherche l'huile sur toi. Tu peux forcer les gens, tu peux les tabasser, ils ne changeront pas par leur effort. Mais lorsque l'huile viendra sur eux, le changement devient automatique. Il y a trop de forcés, pourquoi? Les gens ont abandonné l'onction. Mais quand l'onction est là, les choses coulent facilement, avec douceur. Est-ce qu'on peut acclamer à l'onction? J'ai besoin de l'onction qui apporte le débordement. Et quand il vient, le débordement de la sagesse vient. Le débordement de la joie pour ceux qui ont perdu la joie revient. Le débordement de l'obéissance. Le débordement de la foi. Quand il vient, la consécration devient totale. Son absence apporte la frustration. Son absence apporte la sécheresse. Sa venue, quand l'onction vient, il met terme au cycle des échecs. Il ouvre un nouveau cycle de réussite et de triomphe. Amen. Il met fin au cycle d'humiliation. Oh, j'aime ça. De tout mon cœur, je le veux. Quand je prêche, j'ai besoin de cet homme qu'on appelle le Saint-Esprit. Amen. Je veux cette onction sur moi.
Je le veux sur moi. Je veux que quelqu'un dise, je le veux sur moi. Je le veux sur moi. Aïe, 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 dis encore. Je le veux sur moi. Vous êtes là? Amen. La Bible dit, l'Esprit du Seigneur est sur moi. Il m'a oint pour pour répondre aux besoins, guérir, pour dire que le monde, la solution du monde est dans l'onction. Parce que quand ça vient, il répond. Et quand il vient, on doit savoir qu'il est vrai. Amen. Quelqu'un est là? Amen. Et donnez-moi un amen. Amen. Wow. Lisons quelques versets de la Bible. Deux versets, rapide. Romains chapitre 8, verset 14. 1 Chroniques 29, 22 à 24. Tellement ici on court avec le temps. On va tout petit peu prier. Avant de prier, je vais laisser une place à mon frère pour Paul va vous amener dans l'adoration probable. N'est-ce pas? Il y aura un débordement. Oh, moi je crois à cela. Oh, est-ce qu'il y a des gens dans cette salle? Je dis je crois au débordement. Qui croit à ça? Romains 8, verset 14. 1 Chronique 29, 22 à 24. Romains 8, 14. Qui a trouvé? Oui. Romains 8, 14. Romains 8, 14, nous lisons dans les noms de Jésus. Car tous ceux qui sont conduits par l'Esprit de Dieu sont fils de Dieu. Ah, on n'est pas fils de Dieu parce qu'on dit je suis fils de Dieu. Oh là là, l'amour que l'Église n'a que moi, les habitants. Non. Amen. Parce que tu as acheté une grosse Bible et tu t'es dit, je suis enfant de Dieu. Non. Mais non. Non, papa. Yes. Ceux qui sont conduits par. Amen. 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 Ah, c'est mon malachi. Amen. Amen. Être conduit, ça veut dire être sous leadership de l'Esprit. Ouais. Je peux avancer. Amen. Amen. Dans ce texte, elle nous parle de choses tellement importantes. Suivez-moi tellement. Pourquoi la Bible dit ceux qui sont conduits par l'Esprit sont fils de Dieu? Pourquoi? Parce qu'il y a toujours lutte entre l'Esprit et l'homme charnel. La chair et l'Esprit, il y a lutte. La chair n'aime pas que l'Esprit le dicte. La chair n'aime pas que l'Esprit contrôle. Mais maintenant, il y a lutte entre l'Esprit et la chair. Voilà pourquoi l'apôtre Paul dit, le désir de la chair sont contraires à celui de l'Esprit. Donc, il y a toujours lutte. Maintenant, quand quelqu'un arrive dans sa vie à un moment où ce n'est plus le désir charnel qui le conduit, maintenant, l'Esprit prend des choses, dit, ah, il est debout. Yes. Parce que le désir charnel fait te conduire. Va tuer ceci, va faire ceci. Tu fais parce que le désir te pousse à le faire. Mais quand l'esprit domine pas le dessus de tes désirs, à ce moment-là, tu deviens un homme conduit par l'esprit. On te dit, tu es devenu vraiment fils de Dieu. Parce que tu es affranchi par le désir charnel. Tu es maintenant, tu as accepté d'être sous leadership de l'esprit. Vous êtes là? Amen. Être sous leadership de l'esprit, c'est comme un animal attaché au cou. Il va aller là où son maître va l'amener. N'a pas à discuter. Laisse l'esprit vous conduire à chaque partie de votre vie, à chaque moment, à chaque instant. À ce moment-là, vous n'allez pas accomplir le désir charnel, mais le désir de l'esprit. 1 Chronique 29, nous allons voir qu'est-ce que l'onction a apporté dans la vie de ces gars. Vous êtes là? Amen. Pose-toi la question dans ta vie. Est-ce que l'Esprit a pris les déchets? Ou ce sont les désirs charnels qui te conduisent? Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. J'ai encore peu de minutes pour terminer. Pose-toi la question. Qui te conduit? Ce sont tes désirs ou c'est l'Esprit? Si c'est encore tes désirs, ah, par rapport à ces versets, tu es encore loin d'être fils de Dieu. On ne dit pas enfant de Dieu,
on dit fils de Dieu. Il y a une différence entre fils et enfant. Tu es né enfant, mais tu n'es pas encore fils. Fils, c'est quelqu'un qui a la maturité. C'est lui qui fait les choses avec conscience. Mais quand on devient, et voilà pourquoi la Bible dit, un enfant nous est né, un fils nous est donné. Il s'est donné lui-même, parce qu'il est devenu fils. Il savait ce qu'il faisait. Amen. Il avait la maturité. Il y a des gens dans nos églises qui sont encore trop des bébés. Yes. 5 ans, l'église, ça ne suffit rien. C'est pas grave. Est-ce que tu as grandi? Vous savez, dans la vie, la maturité, ce n'est pas l'âge. Il nous colonne à eux à maturité. Amen. Et laisse-moi te dire quelque chose pour paraphrase. La Bible dit ceci. Si vous remarquez la vie de Joseph, il avait deux types. De Jacob. Jacob avait deux types d'enfants. Les enfants de la jeunesse, les enfants de la vieillesse. Qui est enfant de la jeunesse? Ruben. Ce sont les enfants de la jeunesse. Dit ma force. Mais il parle de Joseph et Benjamin, les enfants de sa vieillesse. Mais les enfants de la jeunesse n'ont pas aidé leur papa. Au contraire, ils ont troublé sa vie. Mais les enfants de la vieillesse ont apporté l'aide à leur papa. Qu'est-ce que je veux dire par là? Enfant de la vieillesse et l'enfant de la jeunesse, je vais parler de deux états. L'état de l'immaturité et l'état de maturité. Ce que tu fais sans maturité va te combattre. Tu peux gagner beaucoup d'argent, mais sans maturité, tu deviens un danger public. Amen. Mais le paix avec maturité, tu peux construire. Amen. Dis à quelqu'un, cola. Vous êtes là? Amen. Je peux continuer? Amen. Pour terminer, comme j'ai, on peut lire ce verset, pasteur. Ah. 29, 22 à 24. Rapidement. Ils mangèrent et burent ces jours-là devant l'Éternel avec une grande joie. Ils proclamèrent au roi pour la seconde fois Salomon, fils de David. Il loignit devant. On loignit David et Salomon devant. Devant l'Éternel. Devant l'Éternel. On a loin David et Salomon. Ici, on loin Salomon comme roi. On le proclame, on le loin. Dieu pour devenir un roi. Et lorsque l'huile est tombée sur la tête de Salomon, écoute, 4 choses lui suivent. Ouais. Je continue. Ouais. Venir devant l'Éternel comme chef et venir Tsadok comme sacrificateur. Salomon s'assit sur le trône de l'Éternel comme roi à la place de David, son père. Il prospéra. Et première chose, lorsque les ouins, il s'assoit sur le trône. L'huile te positionne toujours. Quand l'huile descend sur toi, tu seras positionné. Oh, je veux que quelqu'un soit positionné ce matin. Amen. Je disais que tu sois positionné. Amen. Deuxième chose, il prospère. L'huile apporte la prospérité. Ici, Salomon n'a pas l'argent, n'a pas encore la richesse, mais il a déjà la prospérité parce que l'huile est venue. L'huile apporte la prospérité. Amen. La prospérité, ce n'est pas avoir beaucoup d'argent. Ce n'est pas aussi... Non, la prospérité, c'est vivre en équilibre. Amen. Tu peux avoir beaucoup d'argent, mais tu es malade, tu n'es pas prospère. Non. Prospérité, c'est une vie d'équilibre en tout. Amen. Mais cette prospérité vient après avoir été... Voilà. Deuxième chose. Il prospéra et tout Israël lui obéit. Deuxième chose, tout Israël lui obéit. Il y a des choses qui ne t'obéissent pas. Tu forces pour qu'on t'obéisse. L'huile fera que les gens t'obéissent. Ne force pas. Amen. Ne cherche pas le respect par force. Amen. Cherche l'huile. Amen. Aïe. J'ai pas assez de temps. Ouais, continue. Tous les chefs et les héros, et même tous les fils du roi David, se soumirent au roi. Écoute, même ceux qui croyaient, ils disaient toujours ceci. Il est faible, il ne peut pas nous diriger, c'est Salomon. Tous ces grands-là,
les chefs de David, les fils de David, ne croyaient pas à Salomon. Ils le méprisaient. Ils disaient qu'il n'est pas fort pour être roi. Mais lorsque lui est venu sur lui, tous les gens qui le bouteillaient, qui le rejetaient, se sont soumis. Amen. L'onction porte la supériorité aux choses. Amen. Laisse-moi te dire, si l'onction tombe sur toi, la maladie va te soumettre. Amen. Aïe, c'est donc Dieu. Les démons vont se soumettre. Amen. Les gens vont se soumettre. Amen. L'argent va se soumettre. Amen. Il y a des choses qui ne se soumettent pas à toi. Parce que tu manques ce qui peut faire soumettre les choses. Amen. Il faut que ces choses-là aillent pour le faire soumettre les gens. Amen. Quand tu parleras, on peut discuter. Un seul mot qui sortira de ta bouche, les gens vont se soumettre. Les gens vont obéir. Parce que lui, il est sur toi. Amen. Et quand on commence à bouder avec tes paroles, il faut examiner. Amen. Quand on commence à discuter ce que tu as dit, quand on commence à discuter à tes ordres, pose-toi la question. Amen. À qui m'a été? Toi, Zaka. Vous êtes là? Amen. S'il est là, même ceux qui ne croyaient pas en lui se sont soumis. Ils ont reconnu son autorité. Ils ont reconnu la domination. Viens sur nous parce que lui est venu sur nous. On en a besoin. À partir d'aujourd'hui, que les choses se soumettent à toi. Bazawatu. Que les circonstances se soumettent à toi. Que les gens se soumettent à toi. Que la position se soumette à toi. Que l'argent se soumette à toi. J'ai dit au nom de Jésus. Ah non, j'ai dit au nom de Jésus. Ceux qui ne t'obéissaient pas vont commencer à s'obéir à toi. Reçois cette parole. J'ai dit reçois cette parole. Au nom de Jésus. L'esprit n'est pas un envoyé de Dieu. L'esprit n'est pas un ange, mais l'esprit c'est Dieu. Amen. Il est l'exécuteur du plan de Dieu. Amen. Rien de Dieu ne peut s'affaire. Le commandant en disant que ça sans que lui soit là. Amen. Tout est sous son autorité. Amen. Tout est sous son pouvoir. Amen. Alléluia. Amen. Est-ce que vous êtes là? L'onction détruit toute forme de joug de souffrance. Amen. Quand ça vient, la stérilité sera détruite. Amen. La malédiction tombe. Amen. Quand il est là, la maladie n'a pas de place. Amen. L'incapacité n'a pas de place. Amen. Quand il est là. Il établit une zone de confort pour ta vie. Amen. Laisse-moi te dire, tu as une vision, c'est bien. Mais pour que la vision se réalise, tu as besoin de l'esprit. Amen. Pas réaliser le rêve de David, de Joseph, pardon. Joseph ne peut pas vivre la réalité de ses rêves si l'esprit ne marche pas avec lui. Amen. Pour terminer, première attitude, pour recevoir, il faut avoir soin. Vis de toi, de toi. Vous êtes plein mingi na yomo. Plein soi-même. Plein de aïe. Aïe. Plein. Et de toi. Deuxième chose, aie soif. Troisième chose, sois humble. Pour recevoir. L'ennemi de lui. Lui, nous, il y a un ennemi. Il n'y a qu'un seul ennemi qui peut détruire l'huile dans ta vie. Ecclésiaste 10, verset 1, pour terminer. Vous êtes là? Amen. Lui le donne accès au mystère caché. Laisse-moi te dire, c'est le temps de vivre comme enfant de Dieu. De vivre comme un enfant de Dieu. Tu sortiras de l'anonymat. Quand il viendra sur toi, tu sortiras de l'anonymat. Jésus est né, oui, il est né. Quand on parle de Jésus dans la Bible, on parle comment? Il est né, et il est allé en Égypte, à 12 ans il revient au temple. C'est tout, à 15 ans on n'a jamais parlé de lui. À 16 ans on n'a jamais parlé de lui. Il n'est pas Messie, il n'est pas le Seigneur, il n'est pas Dieu, il n'est pas Emmanuel. À 20 ans on n'a jamais parlé de lui. Il n'a jamais guéri un malade, anonymat total. Mais à 30 ans, quand l'Esprit vient sur lui, à 30 ans, quand l'Esprit vient sur lui, amen. La Bible dit son nom s'est répandu. Amen. Il va répandre ton nom. Amen. Ecclésiaste 10, 1. Les mouches mortes, Nzinzi et Koufa. Infectent et font fermenter. Et pèse à qu'infection à ma foute, à peu qu'à ma foute. Sur la carte.
L'huile était sur toi, tu avais l'huile, mais aujourd'hui, Ndzindzi, c'est à Koufa de ma faute. Ma faute, ils ont une infection, pékama, ils ont coulé le souci. Ndzindzi, un mot, ni. Attention. C'est bien, il y avait des gens qui avaient l'onction de prier, intercesseurs. Yamouya. Chantait, quand il chantait, les gens tombaient, l'huile coulait. Mais aujourd'hui, cette huile ne coule plus. Lorsque vous avez commencé avec l'onction, ça coulait. Tout était automatique, sans forcer. Mais aujourd'hui, ça devient fou. Ce tindikamu tuka. Tout est devenu forcé. Parce que l'huile qui faisait couler, qui coulait ne coule plus. Et c'est l'huile-là, je vous ai dit, c'est l'huile l'agent du débordement. Amen. Quand il ne coule plus, le débordement ne viendra pas. Amen. L'huile-là, c'est lui qui apporte le débordement. Quand il ne vient plus, le débordement, ça ne coule plus. Pourquoi? Pour nous dire au final. Amémi infection, occupé à Kamino. Mouche morte. C'est le péché. Ça, c'est la vie du péché. Parce que l'onction nous qualifie du péché. L'onction nous donne une position. Et fermente lui. Mon frère, passons. On fait un travail. Ça. Est-ce que quelqu'un peut prier? Est-ce que quelqu'un a besoin de l'huile? Est-ce que quelqu'un a besoin de l'huile? Amen. Est-ce que quelqu'un a besoin du débordement? Amen. Mettons-nous debout. Ayez cette attitude de recevoir. Nazoyemba pona kokite, nakokite, nakokite. Nazoyemba pona kokite, nakokite, nakokite. Natangwa likambo, batalelaka ami, basusu baparo, relation zanango. Kananeza différent, awa na betesa, atama yeningani, nanya bwakayo, natela yo motema, natela yo motema, natela yo motema, nangai, natela yo motema, itumba nanga bundolo ngaye, natela yo Moutima, sabaro te kote langa, na tila yo moutima. Ponando tona lotaki, ba yini nga pamba, ba teki nga na wenze, na tikali izole, na kwe isi goliate, ba soupsone nga ye, ba lobina envie, ki iti na ye o, na kimi masumu, ba kangeli nga porte, bolingo esili, na zonge pa na piso, ko bengo benga nga ye, e komisi nga cible, Obaï Miliengaï, souviens-toi de moi. Oh, Natila yo motema, Natila yo motema, Natila yo motema, Nangai, Natila yo motema. Maranga bukolonga natila yo mutima sabaote kote langaye natila yo mutima
motema na tela yo motema na tela yo motema na tela yo motema saba te kotela na ye na tela yo motema saba te kotela na ye Congo bundo longa yango lo tielio motema bitumbe ecclesia bundo longa lo tielio motema na tiela yo motema na tiela yo motema na tiela yo motema na nai na tiela yo. Nazo yemba pona kokite, nakokite, nakokite. Nazo yemba pona kokite, nakokite, nakokite. Natangwa likambo, batalelaka ami, basusu baparon, relation zanango. Kananeza différent, awa na betesa, atama yeningani, nanya bwakayo, na tela yo motema, na tela yo motema, na tela yo motema, tangai, na tela yo motema, bitumba nanga bundolo ngaye, na tela yo. Motema sabaote kote langa na tela yo motema ponando tona lotaki bayini nga pamba bateki nga na wenze na tikali izole na kweisi goliata basupsone nga ye balobina envie kiti na ye o na kimi masumu bakangeli nga porte bolingo esili na zonge pana piso kobengo benga nga ye ekomisi nga cible. Oh, bye, Billy, Ngai, souviens-toi de moi. Oh, na tela yo motema, na tela yo motema, na tela yo motema, na ngai, na tela yo motema. Maranga bukolonga na tela yo motema sabaote kote langa e na tela yo motema. Na
Sous papa, relations à Nango, Kananeza différent. Awana bêtise, Atamaye Ningani, Nanya Bokayo, Natilayo Motema, Natilayo Motema, Natilayo Motema, Nangai, Natilayo Motema. Bitumba nanga bundolonga e atela yo mutima sabaote kote langa e atela yo mutima ponando tona lodaki bayininga pamba batekinga na wenze natikali isolé nakweisi Goliath basoupsonenga ye balobina envie kiti na ye o nakimi masumu bakangelinga porte bolingo esili nazonge pana biso kobengo benganga ye ekomisi ngasi Thank you.